Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas pris. Enfin, vous avez des vidéos au mois d'avril, je crois, mais c'était déjà filmé d'avant. Là, ça fait très longtemps. J'en suis désolée. J'essaie de trouver un rythme pour tout combiner, mais c'est vraiment pas facile. Quand on a un petit bout qui a débarqué dans sa vie comme ça, ça chamboule tout. Donc voilà, j'espère retrouver un rythme. Je vais essayer de vous refaire les retours de course maintenant que bébé a trouvé un petit rythme le matin. Voilà. J'ai une petite fourchette pour vous faire le retour de course ou alors le midi pendant qu'il fait sa sieste. Enfin voilà, je vais trouver un moment et je vais essayer de vous en faire au moins deux par mois, ce serait bien. Oui, deux chez moi c'est comme ça. Deux par mois ce serait bien. Voilà, puis vous reprendre un petit peu les vlogs, enfin reprendre ce que je faisais avant parce que bah, ça me manque un petit peu. Même si j'ai pas le temps. Excusez-moi, comme d'habitude je m'occupe de... Donc je disais, je vais essayer de reprendre tout ça en main parce que bah, ça me manque un petit peu. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Si vous entendez du bruit, bah, Clément est à côté de moi, il vient de se lever de sa sieste, ce petit cœur. Oui, donc il est à côté de moi, là on est dans son parc. D'ailleurs vous voyez d'ailleurs derrière moi, mon salon a été envahi par le parc de Clément. D'ailleurs je vous ferai un petit tour de son espace jeu, voilà, en vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc c'est parti, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vêtements. Oui mon cœur. on va arriver à la période d'été. Là, Clément est actuellement aux 12 mois, mais à mon avis, plus pour très longtemps. Hein. La dernière visite, le mois dernier, il faisait 72 cm. Donc, je pense que cet été, on sera aux 18 mois. Et autant aux 18 mois... Ah, j'ai oublié. Il y a deux trucs que j'ai oublié, mais je crois que je vous ai déjà montré. Autant en 18 mois, j'ai plein de choses pour l'hiver. Enfin, des choses chaudes, pantalons, pulls, etc. J'ai ça, il n'y a pas de souci. Autant je n'avais rien pour l'été, enfin ou du moins pas grand chose pour l'été et donc du coup bah, j'ai fait un petit plein, voilà. Et on nous a offert une petite chose pour Pâques, je vais vous montrer également ce qu'il a eu à Pâques. J'ai laissé deux trucs là-bas, c'est une catastrophe cette vidéo, une catastrophe mon cœur. Et donc du coup voilà, je vais vous montrer tout ça, donc je vais d'abord vous montrer ce qu'il a eu à Pâques. Voilà, donc il a eu ce petit t-shirt et je crois que ça va avec un autre... Et je ne l'ai pas pris. Ah si, c'est bon, je l'ai là. Donc c'est ce petit ensemble de chez Gémeaux. Donc il y a le petit haut comme ceci. Donc ça c'est du 24 mois avec des petits palmiers, il est bleu. Et avec, il y a la petite salopette. Voilà, comme ceci. Donc elle est très belle. C'est marqué sourire ravageur et ça lui va comme un gant. Donc ça c'est de la part de tonton, tata, papi, mamie, voilà. Ils lui ont offert également ce petit t-shirt en 24 mois. Voilà, édition limitée. Il a eu ce t-shirt là. Papa et moi contre tous les méchants. Et ça c'est plutôt cool. Par contre, il y a des choses, je peux pas vous donner les prix parce qu'elles ont enlevé les prix. Le t-shirt, je crois que j'ai pas le prix. Si, il était à 3€ le t-shirt. Celui-ci, j'ai pas le prix, mais il doit être à peu près dans les mêmes tons. C'est un manche long, pardon. Hop, comme ceci, voilà. Un petit pantalon que j'aime beaucoup en 24 mois. Lui, il était à 10€, enfin 9,99€, comme ceci, couleur rouille. Donc du 24 mois, mais ça me paraît immense quand je le mets à côté de lui, mon Dieu. Ça me paraît juste immense. Et puis un autre, un petit vert. J'aime beaucoup la couleur. Et pareil, en 24 mois, il était à 10€. Ouais, c'est celui-ci. Voilà. Ça c'était pour ce qu'il avait eu à Pâques de la part de ses grands-parents et de sa tata et son tonton. Il a également eu ce petit lapinou qui fait petite musique. Voilà, il a eu ça également. Ensuite, je vais vous montrer ce que nous on a acheté. Donc ça je sais plus si je vous l'avais montré, mais c'était avec, donc du coup je vous le remontre. On avait pris cet ensemble, alors à mon avis il ne le mettra pas, hein. Clairement, enfin quoique, en 24 mois, donc c'est un t-shirt de lion. Avec un petit short lion, voilà, jaune, donc en 24 mois. Je sais pas parce que 24 mois chez Kiabi, c'est 83-89 cm. Oui, je pense pas qu'il fasse 83 cm, qu'il ait pris 10 cm là en l'espace de 3 mois. Quoique, allez voir, parce qu'il nous a fait deux fois, donc là, il nous fait 2 mois à 2 cm, et après il prend 4 cm d'un coup. Ça fait quand même 8 cm en 3 mois, donc pourquoi pas, ma foi, on verra bien. Donc on avait pris aussi un peu de 24 mois en été, mais ça c'était il y a un petit moment, je crois, en plus c'était en solde. L'ensemble était à la base à 7€, il en y a 50%, donc 3,50€, autant vous dire, c'est cadeau. Et s'il ne le met pas, on le revendra, il n'y a pas de souci.
Ensuite, on va partir là en petit week-end. Et puis cet été, donc je lui ai pris un petit maillot de bain, deux pièces anti-UV, t-shirt et short. Il était à 15€, voilà. Je l'ai pris en 18-24 mois parce que je me suis dit que voilà, il serait plus à l'aise. Donc il est comme ceci. Et au pire, même s'il est un peu grand, ben, c'est pas grave. On lui mettra juste le t-shirt par exemple. Et ça fera l'affaire avec sa couche d'eau, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on lui a pris récemment. Ensuite, c'est parti, mon kiki. Alors j'espère tout retrouver tout correctement. Il y avait un lot, donc j'ai pris des lots de débardeurs. Donc il y avait un lot de deux débardeurs. Donc celui-ci, blanc. Blanc cassé, rayé bleu et inscription rouge. Et un rouge tout basique. Voilà, donc ils étaient à, que je dise pas de bêtises, 4€ les deux. Donc 2€ le petit débardeur. Et à rien à dire, vraiment, c'est cadeau. Ensuite, j'ai trouvé ce petit ensemble. Trop choupine. De toute façon, autant au début de ma grossesse, je me disais, si c'est un garçon, il n'y aura pas grand chose et tout. Pour les filles, il y a beaucoup plus. Bon, c'est vrai que pour les filles, il y a beaucoup plus. Mais on trouve des petites choses mignonnes. Donc, je lui ai pris ce petit ensemble, pardon, je vais y arriver, en 18 mois. Donc, toujours 15€ chez Kiabi. Donc, c'est un petit t-shirt avec une petite salopette et c'est nickel. Voilà. Et le t-shirt, lui, il est comme ceci. Voilà. Et j'ai laissé des étiquettes comme ça, si jamais il l'aimait pas, voilà, que je vois qu'en été, bah, ça, donc pas 18 mois, et ben je pourrais revendre, c'est pas un souci. Ensuite, j'ai pris ce petit t-shirt dromadaire, voilà, tout simple, tout basique, qui était quand même à 5€, un peu cher, mais je le trouve très joli. Voilà, avec des petits dromadaires et des petits palmiers, il est crème, je le trouve juste super chouette, donc du coup, je me suis dit, allez hop, c'est parti. Ensuite, j'ai pris cette petite barboteuse. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Je ne sais plus si ça s'appelle une barboteuse. Bref, à 5€ avec marqué petit pirate en marine. En marinière comme ça, bleu et jaune. Le bleu lui va très très bien, le jaune lui va très très bien. De toute façon, à cet enfant, tout lui va. Donc du coup, voilà, il était à 5€. Où c'est que tu vas, mon cœur? À cet enfant, tout lui va. Ah tiens. Du coup, voilà, on se pose pas trop de questions. Je suis pas objectif. Ensuite, j'ai refait le plein de pyjamas parce que, pareil, bah, il en avait pas en 18 mois. J'aime beaucoup, j'ai découvert les pyjamas deux pièces, mais mon dieu, c'est une révolution. Je comprends pas pourquoi ils font pas ça tout le temps parce que, honnêtement, c'est super pratique. Donc, j'ai pris celui-ci, Summer Trip, celui-ci avec une petite île. Voilà, ça fait très très estival, hein. Et le petit shirt qui va avec une petite île et des palmiers. Ouais, mon cœur. Et celui-ci était à 6€. Ensuite, toujours dans les pyjamas. Oui. J'ai trouvé celui-ci. Non, non. Clément, laisse le trépied, s'il te plaît, mon chat. Tiens. Attends. Et tiens, mon cœur. Il embarque le trépied. Tu laisses le trépied. Hein. Donc c'est celui-ci, c'est marqué This is my best summer trip. Arrête Clément, laisse le trépied à maman. Donc c'est celui-ci, un petit t-shirt comme ceci en blanc avec un petit dessin. Et un petit short bleu. Si vous bougez, c'est normal, hein, c'est Clément. Bleu tout simple. Oui, arrête avec ce trépied. Donc c'est pareil, celui-ci était à... Que je dise pas de bêtises. Il était aussi à 6€, donc parfait. Ensuite, j'ai pris un lot de petits shirts, donc ça peut aller avec les débardeurs de tout à l'heure. Ça va même carrément avec, en fait, j'ai envie de dire. Il y en a un rouge et un bleu nuit. Donc le bleu nuit, c'est comme ceci, avec des petites baleines. Et le rouge, bon, il ressort... Même en vrai, il fait plus orange que rouge, mais c'est exactement la même couleur, les deux, donc ça ira ensemble. Et ils sont tout légers, tout en coton et tout. Enfin, ils sont super agréables. Et j'ai payé les deux 5€. Donc 5€ les deux shorts, 2,50 le short. Le petit short autant. Voilà, c'est vraiment c'est cadeau. Donc je suis plutôt contente. Laisse ce trépied tranquille. Bon sang, bonsoir. Alors, t'es-tu, hein? Ensuite, je lui ai pris un lot de deux petites barboteuses à bretelles. Ça, c'était 10€ le lot. Donc il y a une comme ça. Sun Island. Donc c'est toujours sur le thème des îles cette année. C'est un bleu un peu... ça c'est un bleu foncé. Et l'autre c'est une... Je vais vous montrer de l'autre côté là. Une comme ceci, bleu, voilà, avec les petites îles et tous les petits palmiers. J'ai trouvé ça trop mignon, des petits éléphants, des petits singes. Très très mignon. Donc ça c'était 10€ les deux. Donc c'est pareil, ça fait 5€ la barboteuse. De toute façon pour les bébés on dit toujours à ça vaut rien, c'est cadeau, c'est donné. Puis à la fin vous en sortez, vous en avez pour plus de 200 balles.
Bref, ensuite je lui ai pris une autre petite barbe botteuse parce que je trouve ça trop pratique, ça s'ouvre entre les jambes et tout, et lui il est à l'aise. Vous n'êtes pas obligé de mettre un body en dessous, etc. Donc je lui ai pris celui-là, juste be cool and relax, donc juste être cool et relax, ça lui va parfaitement, hein, c'est ce qu'il faudrait qu'il applique. En bleu nuit, voilà, petite manche, petit short, voilà, parfait, parfait pour l'été. J'ai éteint mes patounes, j'ai mal aux jambes. Ensuite, cette petite salopette qui était vendue toute seule, il y avait plusieurs coloris, il y avait donc bleu marine, gris et beige, je crois. J'arrête pas de vous bouger, je suis désolée. Et moi j'ai pris en bleu marine, je trouvais que ça, de toute façon le bleu me va très bien, donc il est blond aux yeux, enfin blond. Pas encore trop de cheveux, mon petit cas, mais il a les yeux bleus et tout, et du coup ça lui va trop bien. Donc du coup celle-ci était à 12€, bon un peu cher pour une salopette, mais elle s'ouvre aussi entre les jambes, et ça c'est super important, donc une toute basique. Qui se croise derrière, voilà, avec un petit t-shirt, un petit débardeur ou un petit body simplement, voilà, ce sera parfait. Ensuite, dernier pyjama, je crois. Oui, c'est le dernier pyjama. Un Buzz l'éclair. Je suis pas très fan de Buzz l'éclair, mais bon, je l'ai trouvé mignon. Puis il n'y en avait pas 15 000 non plus. À 12€, donc c'est le petit t-shirt. Voilà. Hop. Et le petit short tout basique, tout simple. En bleu marine. Voilà, donc ça c'est pour les pyjamas. Ensuite j'ai repris encore un lot de deux shorts, donc un marinière, que vous savez mon amour pour les marinières, hein, et un jaune. Voilà, donc les petits débardeurs iront très bien avec, oui mon cœur, iront parfaitement avec. Ensuite j'ai quand même pris, bon même si j'en ai, je l'ai quand même pris parce que je me suis dit j'aime bien qu'il ait ce genre de petit pantalon un peu chaud, etc. On part quand même fin août. Je me dis que les soirées peuvent être peut-être un peu fraîches si on veut sortir ou quoi. Donc c'est un genre de jogging. Oui, on va appeler ça un jogging. Ils font des poches, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais vu les bébés mettre les mains dans les poches, mais bon. Il était à 6€, donc c'est comme ceci. Il est en marinière, bien évidemment, resserré à la taille bleu marine et écru. Et à l'intérieur, en fait, il est polaire comme ceci. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Bon, il a des jeans et tout en cette taille-là, comme je vous ai dit. Mais ce genre de petit pantalon, il est trop bien dedans. Et moi, je préfère qu'il soit à l'aise que plutôt super canon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je préfère les habits où il se sentira bien dedans, qu'il pourra bouger, que les trucs super chouettes, mais où c'est qu'il est tout étriqué, qu'il ne peut pas bouger. Donc voilà, c'est je préfère. Ensuite, j'ai pris un petit ensemble. J'aime beaucoup les ensembles de chez Kiabi. Je trouve ça tellement plus simple de prendre ça. Par contre, j'ai plus le prix. Je me demande si c'était pas 7€. Donc c'est un petit t-shirt comme ceci avec les animaux de la jungle. Voilà. Et le petit shirt qui va avec. Donc ça, je le vois trop mettre ça quand on ira faire. Parce que normalement, on fait le parc des fées là. Je le vois trop faire avec ça. Ce serait trop dans le thème, etc. Trop mignon. Bref, en espérant qu'ils mettent vraiment du 18 mois. Ensuite, j'ai pris un petit ensemble qui fait un peu beaucoup marin. Donc c'est un petit polo comme ceci, bleu marine avec une encre rouge là sur la poche. Et celui-là était à 12€. Et le short est comme ceci, rouge, avec des petites encres, je dirais noires, ou bleu marine, je sais pas, ça ressort noir quand même. Donc voilà, des petites encres et tout, tout simple, sympathique, pardon. Ensuite, troisième lot, de petits shorts, donc un bleu marine. Et un bleu comme ceci, avec des petits palmiers et des planches de surf. Voilà. Je vous montre comme ça, mais je ne sais même pas si vous avez vu. Comme ceci, voilà. Donc ça c'est pareil, c'était 5€ les deux. Ensuite, dernier lot de petits débardeurs, je crois. Après, c'est plus des débardeurs. J'ai pris celui avec les petites baleines, comme ceci, qui est trop trop mignon. Et un blanc tout simple. Ouais, il a rien su, il est tout simple. Le blanc, c'est pas une couleur qui me va... plus que ça, mais associé avec une couleur, ça ira parfaitement. Ensuite, j'ai pris, donc c'est un petit ensemble, un petit short basique bleu, hein, voilà, tout léger comme d'hab, super, c'est qu'on est super à l'aise dedans, et le petit haut, mais j'ai adoré, je ne pouvais pas passer à côté. C'est donc marinière et des tracteurs, voilà, parce que papa aime beaucoup les tracteurs, donc du coup, on ne pouvait pas passer à côté de celui-ci, et l'ensemble, je crois, pareil, était à 10€, 12€ ou 7€, dans ces prix-là, je ne sais plus exactement. Ensuite, je lui ai pris ce petit ensemble. Il y avait une autre pièce avec moi. Peut-être que tout est accroché. Oui. Donc, vous avez ce petit
Ou comme ceci, jaune avec un tigre. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tout me déménager là. Le petit short rayé, voilà. Et avec, ils vendaient le petit bandana. Donc bon, ça c'est des choses que je ne mets pas spécialement pour l'instant. Bah déjà de 1, ils bavent pas trop. Et de 2, ils supportent pas trop. Donc du coup, je ne le mets pas. J'en ai toute une bannière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais enceinte, j'en avais acheté une blinde. Et en fait, pour l'instant, bah, il n'en a pas spécialement besoin, il ne boivent pas plus que ça. Et puis il n'aime pas trop. Donc du coup, je ne mets pas. Mais voilà, peut-être que d'ici là, bah, il en aura besoin. Ensuite, dernier petit lot. Bah non, vous avez dit dernier petit lot de débardeur, mais non, il y en a encore un lot. Donc celui-ci, c'est dans les tons de blanc et de jaune. Donc on a un blanc avec un soleil comme ça marqué Sunshine. Ouais. Et un jaune tout basique. Voilà, donc ça ira très bien avec les shorts que j'ai pris. Ensuite, avant-dernière tenue. Donc c'était un ensemble. Donc ça c'est dans les tons de bleu. C'était à 7€ l'ensemble. Donc c'est comme ça le t-shirt. Le t-shirt est comme ceci avec un petit hippopotame et tout. Qui s'est vu. Et le short est comme ceci, pareil avec des petits hippopotames, des petits palmiers. Celui-ci est un petit peu plus épais en short, voilà. Et il est retroussé. Voilà, la petite différence. Et dernier petit ensemble que j'ai pris. Donc c'est un petit ensemble pirate. Pareil, celui-là, j'ai plus les prix. Donc le haut est comme ceci. Avec le petit écusson. Petit écusson, petit pirate. Voilà. Avec le petit short comme ça. Il fait sport. Voilà, en bleu. Voilà. Et avec. Ah, j'ai pas dit. Avec, il vendait un petit bandana. Mais ça, je sais pas si c'est. Non, c'est pas un bandana. C'est un. Pour mettre sur la tête. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il le vendait comme tel pour mettre sur la tête. Enfin, bref, voilà. Un petit truc comme ceci. Bon, honnêtement, je ne vais pas lui mettre ça. Je ne sais pas si ça lui servirait un jour. Bref, c'était avec. Donc voilà, c'était tout pour ce haul qui est déjà très 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 long. Et puis voilà. Sinon, à Pâques, il a eu un set de peinture également. Je lui avais demandé de la peinture parce que on va faire des petites activités en peinture. On va commencer hein, maintenant que ce jeune homme commence à tenir un peu assis. Voilà, on va commencer un petit peu la peinture. Les activités, voilà. Oups là, heureusement que maman est là, hein. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel a été votre ensemble préféré. Moi, honnêtement, c'est vrai que la collection été, je l'ai trouvé super chouette. Il y avait beaucoup d'autres choses qui me plaisaient, mais il n'y avait plus. Voilà, donc autant vous dire que ben, pour une petite somme, hein. C'est vrai que c'est ce que je disais, c'est, on dit à la pièce, ouais, c'est pas cher, puis au final vous vous en retrouvez, vous en avez pour plus de 200€. Mais bon, il faut bien les habiller, hein, ces petits-là. Alors autant, j'ai acheté beaucoup de choses en occasion, honnêtement, j'ai acheté pas mal de choses en occasion, hein, vous l'avez vu, et encore, je vous ai pas tout montré. Autant, l'occasion, oui et non, parce que bah, il y a beaucoup de choses qui sont un peu peluchées, qui sont un peu abîmées, on voit que ça a été porté, lavé, etc. Voilà, c'est pas un petit peu détendu, etc. C'est pas le top du top, mais voilà. C'est ce que je me dis. Là, j'ai pris jusqu'au 20... Oh, t'es tout mouillé, là. Jusqu'au 24 mois, je lui ai pris Je lui ai pris un petit peu d'occasion... Enfin, pas mal d'occasion, mais après, je ne prendrai plus spécialement d'occasion. Mais par contre, je l'achèterai, par exemple, chez Kiabi, où c'est que c'est vraiment pas cher. Et voilà, je lui prendrai peut-être... 8-10 tenues et ça fera l'affaire. Là, il faut que je rachète. J'ai juste à racheter des bodys, mais à Gémeaux. Il n'y en avait pas à Kiabi. Et j'en ai vu pas mal à Gémeaux. Voilà, donc je pense que je vais aller lui prendre des bodys. Mais je vous montrerai ça dans un haul, puisque ben, je vais m'acheter des vêtements pour moi depuis le temps que je ne me suis pas acheté de vêtements. Et je vous montrerai ça, je vous l'inclurai avec. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.